Bonjour. À la vidéo, elle ne va pas expliquer exactement Anaconda, mais juste montrer comment, c'est-à-dire pour répondre à une question qui a été posée dans le groupe en ce qui concerne l'installation de Keras et TensorFlow avec l'outil Anaconda. Je vais essayer de plus tard de des vidéos c'est-à-dire de base sur Python et Anaconda, de même d'autres outils intéressants en ce qui concerne le programme, la programmation Python. En ce qui concerne Anaconda, une fois que vous avez téléchargé Anaconda, il vient avec deux types d'outils, c'est-à-dire l'outil vient de manières. Il y a l'outil qu'on voit ici qui est visuel, graphique, et l'autre qui est Anaconda Prompt, c'est-à-dire il faut faire des instructions, il faut les taper, par exemple, de Anaconda List. Et ça liste tous les outils, les programmes qui ont été installés Conda. Donc, là, pour le moment, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le côté visuel pour vous montrer comment c'est plus simple d'utiliser Anaconda Navigator pour l'installation, de même la désinstallation et la mise à jour, etc. etc. Qu'un Hadja qu'on doit avant toute chose, c'est important de faire ça à chaque fois. Il faut prendre habitude pour les gens qui utilisent Anaconda. Wadi a déjà l'idée derrière, c'est-à-dire de créer un environnement, Wadi l'environnement dans lequel vous allez tester votre projet. Donc, pour chaque projet que vous allez faire, vous créez un environnement. Wadi l'environnement, vous installez une version de Python spécifique et en bas, c'est facile parce que l'environnement en réalité c'est un dossier. La réalité, quand tu fais l'ordinateur, d'accord, tu vois, c'est un dossier. Donc, on crée un environnement et on va installer faire dans l'environnement. Donc, on va installer Python Tana. Donc, on choisit la version qui va fonctionner avec TensorFlow et on va installer Keras. D'accord, et on va bas l'environnement d'ailleurs. On va installer Tana, un outil qui va nous permettre un éditeur. Python. Au lieu d'utiliser Wahad en ligne, on va utiliser un éditeur Shpab. D'accord. Donc, on va essayer de créer dans l'environnement. Donc, create, on crée l'environnement. Comme on va essayer TensorFlow, on va utiliser le terme TensorFlow. TensorFlow. Donc, on va mettre capital T. Donc, TensorFlow, c'est juste pour dire que c'est ça ce qu'on va utiliser qu'on va tester comme produit. La version de Python, je sais que à présent, je pense qu'il fonctionne avec la version 3.6. Je ne sais pas que s'il fonctionne avec 3.7. Donc, maintenant, je vais installer Python 3.6 dans l'environnement, dans ce dossier, avec lequel je vais installer TensorFlow et Keras ou bien d'autres pour les tester. Et ça va créer un projet. D'accord. Je crée. Le projet, ça prend quelques secondes, normalement, parce que tout dépend de votre connexion à l'Internet, parce qu'il va télécharger la version de Python qu'il a besoin. S'il a été téléchargé, normalement, ça devrait être plus rapide. Donc, c'est fait. Donc, il a installé, voilà, Python a été installé, la version 3.6.8. Maintenant, toujours, donc, on a le baseroot header qui vient par défaut, d'accord? Et nous avons TensorFlow vient de créer dans l'environnement header. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver des choses qui ne sont pas déjà installées, qui est TensorFlow. TensorFlow qui est celui-là, TensorFlow. OK. Is Machine Learning Library. Donc on clique sur ça et on fait. OK, voilà. OK, TensorFlow. Et clique Apply. Il va installer 31 packages. Apply. Et tout dépend bien sûr de votre connexion d'Internet. Il va les installer.
Donc, adhère à la procédure à faire. Donc, vous créez un environnement, vous lui donnez un nom arbitraire, d'accord, juste pour qu'il ait une connexion avec ce que vous allez faire. Une fois c'est fait, voilà, c'est fait. Donc, on a installé. Donc, créer un environnement, installer TensorFlow, on va installer Keras, qui est celui-là. Donc, si on peut. Keras. Et donc, redéroulement. Et on va mettre apply. Donc, c'est la même chose. En s'assurant toujours que l'environnement TensorFlow, il est sélectionné. Donc, apply for packages. Et vous pouvez voir ici, que il y a INVS, c'est l'environnement. Donc, l'environnement avec Chauffe-Flahort, effectivement, c'est juste un dossier. Donc, le dossier avec qui est TensorFlow. Donc, c'est fait. C'est tout. Donc, on peut voir Naya. Installed. Donc, on a tout ce qu'on a besoin comme outil a été installé pour le développement TensorFlow ou bien Keras. Donc, on revient vers Home. Et là, dans le Home, on a BaseRoute. Donc, la base d'Anna. Et on peut choisir l'environnement qui est TensorFlow, donc notre environnement. Environnement ADR, on va installer ou bien on va utiliser certains outils pour éditer par exemple l'éditeur de Python. On peut utiliser directement celui par command line ou là, mais ce que je vous recommande c'est d'installer Spider. Et il est intéressant. Ça va prendre un peu de temps, donc il suffit juste de créer installer. Il va être installé dans l'environnement de TensorFlow. D'accord. Donc, une fois que vous avez, par exemple, vous avez terminé avec TensorFlow, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez le cloner, c'est-à-dire c'est-à-dire le copier et le coller, créer un double terme. Vous pouvez importer d'autres environnements. D'accord. Et c'est une meilleure façon de travailler. Vous pouvez faire ça command line, où là, il est plus efficace de faire ça avec Anaconda Navigator. J'espère que cette vidéo a répondu va résoudre le problème que vous avez rencontré. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions. J'essaierai avec le possible d'y répondre. Ok? Allez, à la prochaine. Bye bye.